Je vous demande de rester chez vous. Restez chez vous. Restez chez vous. Bon, je vous raconte pas l'histoire, je pense que vous êtes au courant. Bref, du coup, il fallait que je trouve de quoi m'occuper. Je sais ce que j'allais faire. Quitte à rester bloqué plusieurs semaines chez moi, j'allais utiliser ce temps à bon escient. Être productif pendant que tout le monde était chez lui, avachi dans son lit à regarder Netflix. J'allais lancer mon business en ligne. Ouais, je sais, ouais. Ça claque. J'allais sortir de cette situation comme un héros, et j'allais faire un max de thunes. Ok, donc j'ai commencé par créer une première formation sur le développement. Ok, bon, en vrai, j'ai eu la flemme. Mais je me suis senti mal. Il fallait que je trouve autre chose. Je regarde dehors, le dehors me regarde, je vais voir le dehors de plus près. Waouh, putain, il faisait beau. Et je pouvais pas sortir. Et puis je me suis rappelé que si, en fait, je pouvais sortir. Fallait juste que je remplisse un papier. J'ai cherché ces papiers. J'ai pas trouvé ces papiers. Et j'avais pas d'imprimante. Et puis je me suis rappelé que je pouvais l'écrire à la main. Wow. Il y avait quand même beaucoup de textes à écrire. J'avais la flemme, laisse tomber. Il faut que je trouve autre chose. Je tourne en rond, regarde dehors, je tourne en rond, je tourne en rond, je tourne en rond, mais un peu plus vite, et j'arrête de tourner. Ça y est, j'avais trouvé. Je vais méditer. J'allais pouvoir me détacher de mes pensées, ça allait alléger mon esprit et laisser place à beaucoup plus de créativité. Finalement, c'était trop chiant. J'ai arrêté. Et en fait, ça avait marché. J'ai eu plein d'idées. J'ai fait du sport, appris à jongler, bricoler, fait des bottle flips, fait le ménage dans ma chambre. Hein ? Ah non. Ça, j'ai pas fait ça. Je me suis déguisé, fait du ukulélé, appris le chinois, révisé mon espagnol, contemplé le paysage, dessiné. Et puis rien. J'avais plus d'idées. Enfin, si. Il m'en restait une. Bref. Je suis confiné chez moi.